Donc, puisqu'il s'agit d'un dilemme, je pose une question. Rassurez-vous, je ne me prends pas pour Shakespeare et je ne serai pas aussi long que Hamlet. Et je le ferai en français, puisque nous sommes en communauté française, mais en in palliative care, O2 or not O2. Alors, en Belgique, particularité, c'est le remboursement de l'oxygène. Et je pense que la situation est importante, surtout à domicile. L'oxygénothérapie à domicile, dernier critère de juillet 2017, eh bien, c'est l'oxygénothérapie à très long terme, avec des critères très stricts, l'accord d'un pneumologue ou d'un pédiatre, ou bien c'est pour des périodes courtes, 3 mois à domicile, pouvant être prescrites par le médecin généraliste, ou cette situation du cluster headache, une forme de céphalée, et bien entendu de soins palliatifs. C'est la situation en Belgique. Alors un petit peu d'histoire quand même, sachez que l'oxygène, découverte en même temps en Suède et en Angleterre, remonte aux environs des années 1770, mais que c'est le dénommé de Lavoisier qui a découvert la combustion de l'oxygène, l'azote et la production de CO2 par la respiration animale et humaine. C'est à cause de son petit 2 qu'il a été décapité en 1794, pas à cause de sa découverte. Il faut attendre von Lind en 1896 pour réfrigérer l'air, le comprimer et séparer ses composants. Utilisation d'abord industrielle, loin de là d'avoir une utilisation médicale qui commence au début du XXe siècle dans les pneumonies. Et l'oxygène a d'emblée un aspect très symbolique. On donne de l'air enrichi, est-ce que c'est bon? Et ça peut aider sûrement le patient. C'est le développement des connaissances en physiologie cardio-respiratoire, la découverte de l'hémoglobine qui se trouve dans les globules rouges, qu'on a un peu mieux compris le fonctionnement de l'oxygénation des tissus et du rôle fondamental que jouent bien entendu les alvéoles respiratoires qui donc permettent le contact entre les globules rouges et l'oxygène de l'air. Alors, il y a un contexte sociétal et médiatique à l'utilisation de l'oxygène. Vous voyez, évidemment, quand on va sur la Lune, on a besoin d'air, on n'a pas besoin d'oxygène. Enfin, ça fait quand même quelque chose de super. Cette dame, bon, dans l'ambulance, a besoin d'oxygène. Ce monsieur de 80 ans monte pour la quatrième fois l'Everest, il a besoin d'oxygène. Par contre, on se demande, et je paye un verre à celui qui le reconnaît, pourquoi ce footballeur reçoit de l'oxygène alors qu'il s'est fait simplement une entorse sur un terrain en Angleterre. Alors, revenons à comment évaluer les besoins et comment donner de l'oxygène de manière intelligente. Alors, il faut savoir un concept très simple. J'ai une pression artérielle en oxygène qui vient de l'air que je respire. Au moins il y a d'oxygène dans l'air, au plus j'ai besoin d'oxygène en plus si je montais l'Everest, mais je ne le ferai pas. Et donc il y a une relation entre la saturation de l'hémoglobine en oxygène pour l'amener au niveau des tissus et la pression artérielle en oxygène. C'est ça qu'on mesure pour voir s'il y a assez d'oxygène dans le sang. Comment le mesure-t-on? Par ponction artérielle, on ne va pas se lancer là-dedans, c'est ce qui est fait en réa, mais évidemment par oxymétrie, c'est un petit appareil qui mesure l'oxygénation du sang. Alors, les pathologies en gros qui nécessitent et qui perturbent les échanges gazeux et pour lesquelles on peut envisager en evidence-based medicine de donner de l'oxygène, eh bien, c'est les pathologies primaires du tissu respiratoire, pulmonaire, vous aurez compris, les fibroses, les BPCO. Donc les maladies obstructives liées notamment au tabac. Alors ce que j'ai appelé les pathologies péripulmonaires, les épanchements pleuraux par exemple, qui altèrent également le fonctionnement du poumon, les pathologies cardiovasculaires qui peuvent mener jusqu'au choc circulatoire, et puis d'autres formes de choc comme celui infectieux ou allergique. C'est dans ces cas-là qu'en clinique, on doit donner cet oxygène. Il y a une désaturation ou il y a une PaO2 basse. C'est l'indication en aigu. Le chronique, ça, c'est déjà beaucoup plus douteux. Et si on donne de l'oxygène en chronique, on le donne surtout pour avoir des bénéfices à long terme et pour permettre la non-évolution des maladies respiratoires. Alors, est-ce que l'oxygène, c'est facile à donner? Est-ce que il y a une innocuité totale? Absolument pas. L'oxygène à très haute dose peut être toxique. C'est en 1950 qu'on a retrouvé des lésions chez des bébés au niveau de l'œil du fait qu'on les avait hyperoxygénés. On connaît en réanimation toutes sortes de problèmes lorsqu'on donne trop d'oxygène, mais simplement également une simple irritation des muqueuses nasales ou trachéobronchiques lorsqu'on administre de l'oxygène. Alors l'oxygène, c'est des sondes nasales, des masques, des machines et des longs tuyaux. Le patient perd de l'autonomie
et, comme on le voit aussi, un accident lié à l'oxygène, ça peut être de l'explosion, ça peut être très grave, et également, c'est toute la polémique de savoir, parmi les pneumologues, donne-t-on de l'oxygène à domicile à quelqu'un qui continue à fumer. J'arrive au palliatif, et donc j'ai essayé un petit peu comme mon collègue, j'étais très inquiet de ce qu'il allait me sortir, s'il disait maintenant tout est evidence-based médecine en palliatif, c'est déjà très compliqué, parce que quand on classifie les patients par rapport à leurs besoins en oxygène, j'ai fait très simplement. D'abord, une affection nouvelle incurable, une néoplasie colique et des métastases hépatiques, a priori, il ne faudrait pas d'oxygène. Une affection, par contre, incurable et qui aggrave la fonction respiratoire, l'épanchement pleural dans le même cas que le premier, est-ce qu'il faut de l'oxygène ou pas? Et bien entendu, les parents pauvres, toujours dans mon idée, des pathologies, des stades palliatifs, que sont les pathologies cardio-respiratoires très sévères. Là, évidemment, il y a de l'oxygène, on va le poursuivre. Et à tous ces contextes se rajoute, bien entendu, le contexte d'amaigrissement, de fonte musculaire, de perte d'hémoglobine, qui font tous des cas particuliers de situations qui pourraient être uniques. Et en soins palliatifs, on ne parlera pas non plus de PaO2 et de saturation, on parle d'autre chose, on parle de symptômes. Alors, quel est le symptôme en soins palliatifs pour lequel on considère éventuellement l'oxygène? C'est ce qu'on appelle la dyspnée. J'ai mis la définition en anglais, mais je vous la traduis. C'est une respiration inconfortable, c'est une expérience subjective avec des sensations très distinctes qui varient en intensité et la dyspnée est une expérience très personnelle. Ça, pour faire du simple, ce n'est pas du simple. Or, ça veut donc dire que chacun se sentira cette dyspnée à titre personnel. C'est la définition de l'American Thoracic Society en 1999. Donc, cause primaire, sensation variable à différents niveaux. Théoriquement, si on est en evidence-based medicine et en médecine curative, on enlève la cause. On ne sait évidemment pas toujours le faire en soins palliatifs. Et donc est arrivé le concept de dyspnée réfractaire et d'oxygène palliatif. Alors, j'ai revu la littérature comme un grand, et donc j'ai refait évidemment Medline, machin, tout ça, etc., pour trouver de 1986 à 2016 une série d'études, je vais dire une petite cinquantaine. D'abord, je constate qu'on se fout pas mal des affections cardio-respiratoires chroniques, en tout temps en 86, ça va un peu mieux maintenant. Des petites séries, toujours moins de 100 cas. Effectivement, on donne pas, on fait des crossovers, une fois on donne de l'oxygène, une fois on donne de l'air. C'est des cancers essentiellement. L'exclusion dans les études, de nouveau, pour faire bien, pour voir des résultats des patients présentant des complications respiratoires ajoutées, dont les épanchements pleuraux. Dans certaines études, on en parle, et la plupart des patients sont proches du décès. On parle dans toutes ces études de dyspnée, beaucoup plus que de saturation et de PaO2. Les patients sont hypoxémiques ou pas, on n'en sait rien, puisqu'on considère leurs symptômes. On a utilisé de l'air, de l'oxygène avec de l'hélium pour voir si ça n'allait pas mieux. Les tests sont faits au repos et on questionne les patients et leurs médecins et on cherche des solutions alternatives. Pour l'oxygène, c'est masque, sonde et également ce qu'on a découvert, simplement faire un petit vent par un ventilateur au niveau de la face, ça semble améliorer les terminaisons nerveuses dans leur sensibilité et pourquoi pas réduire la dyspnée. Et bien entendu, les morphiniques. Et dans toutes ces études, l'oxygène est remboursé différemment selon les pays. Alors, petite modeste synthèse de ma part qui n'a rien de scientifique mais que j'ai essayé de mettre en place. D'abord, les médecins prescrivent facilement l'oxygène palliatif, c'est remboursé. Et même en l'absence de remboursement dans certains pays. Et c'est une pression de l'entourage, la bonne conscience, leur sentiment ambiant, et aussi qu'à l'hôpital, ça coule du mur, et en général, on a très souvent tendance à ajouter de l'oxygène. Ce qui est aussi amusant, c'est de voir que les mêmes auteurs ont publié dans les années 90 et en 2000, et qui disent des choses inverses. Au début, ils voulaient mettre de l'oxygène, maintenant, ils ne veulent plus. Il y a une entame évidemment constatée très problématique de l'oxygénothérapie à domicile. Vous voyez que je parle essentiellement, je pense que c'est important, de tout ce qui est la problématique des soins palliatifs à domicile. Et également que dans toutes ces études, il ressort qu'il ne faut pas aller chercher la saturation, la PaO2. D'abord, on ne va pas la chercher. Et donc, ce n'est pas ça qui doit mener à prescrire de l'oxygène à domicile. Par contre, ce qui ressort, c'est que la dyspnée, qui est donc le symptôme, est nettement mieux réduite par les morphiniques.
ou cette petite technique de ventilation, ou des aérosols de furosémide, que moi, je n'avais jamais utilisé, que par l'oxygène. Et certainement, quand on compare, de l'air à l'air aussi efficace que de l'oxygène. Donc, vraiment, pas moyen d'avoir de preuves, y compris lorsqu'on mesure la concentration en oxygène. Très important, de petites doses morphiniques semblent suffisantes, 10 à 20 mg fragmentés, pour avoir cet effet contre la dyspnée. Ce qui ressort aussi de toutes ces études, c'est que si on donne de l'oxygène, s'il vous plaît, pas avec un masque, avec une sonde, même si ça irrite les voies respiratoires, c'est beaucoup plus confortable, vous le comprendrez, dans le contact. Il faut suivre, une fois qu'on donne de l'oxygène, la saturation. Ben, pourquoi ? Ben, pour l'arrêter. Parce que si ça change strictement rien, que le patient ne se sent pas mieux, il ne faut pas continuer cette oxygénothérapie, puisqu'il y a irritation des muqueuses. Et alors, très intéressant, les patients sont souvent plus réticents que les médecins à recevoir de l'oxygène. Donc, je reviens, O2 or not O2, plutôt à domicile ou en MRS. Hors du débat, je vous ai dit, c'est un peu triste, c'est évidemment ceux qui sont déjà sous oxygène et qui passent en soins palliatifs pour leurs problèmes cardio-respiratoires. On ne va évidemment pas leur enlever leur oxygène, même si l'effet à long terme n'est plus présent. Pour toute autre situation, si je fais moi mon résumé, c'est plutôt non, et même si on l'a entamé à l'hôpital, il faut privilégier, bien entendu, toute autre approche, et je crois, il faut expliquer aux familles, il faut expliquer aux autres soignants, il faut expliquer aux docteurs, et il faut expliquer aux patients de si c'est bon et quelle peut être l'utilité, et pourquoi pas en faire une partie de l'advanced care planning et d'en faire une limitation thérapeutique potentiellement. Alors, je rajoute quand même, je laisse la porte ouverte. Exceptionnellement, on peut le faire, toujours en ayant débattu avec l'entourage, les autres soignants et le patient. Il faut un bon objectif, par exemple, le temps de transfuser, si on transfuse. Est-ce qu'on repart à l'hôpital? Est-ce qu'on ponctionne cet épanchement pleural? Donc, ça peut être une solution temporaire. Toujours, toujours, toujours réévaluer. Et alors, on me dit, ouais, mais si on a de l'oxygène à l'hôpital, tu l'as bien, à la maison, tu l'as bien dit, le choc, l'embolie, ben oui, alors on peut mettre de l'oxygène dans toutes les maisons, et je ne doute pas qu'il y a de l'oxygène dans cette salle, parce que ça peut arriver évidemment à tout le monde, et je pense que c'est de nouveau pas un bon motif. Je vous remercie.